Coucou mes soleils, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans la cuisine de William. Cette fois-ci, je vais démontrer au monde entier, à Laetitia, à Roxane et à Rob le Grizzly, que moi, je suis le meilleur cuisinier de la terre. Je lève le niveau. Laetitia n'a jamais fait ça. Laetitia n'a jamais fait ça. Vous voyez un peu, non? Aujourd'hui là, là voilà qui vient déjà me nuire. Comme d'habitude, moi aujourd'hui, je prépare un animal entier, moi. J'ai déjà, je suis allé au marché, j'ai acheté, j'ai déjà nettoyé tout l'intérieur, j'ai nettoyé tout, parce que je ne voulais pas perdre le temps. C'est quoi? Tu as fini, je peux parler. Dis-moi d'abord, bravo, j'ai réussi à faire ce que toi tu n'as jamais fait. À faire quoi? Regarde, dis-moi d'abord, waouh! Pardon, attends, avant d'arriver là-bas, c'est-à-dire que comme tu as fait un petit truc et qu'on a apprécié, tu veux montrer que wow, tu peux toucher le ciel. Laetitia, tu as déjà préparé un bœuf vivant, un bœuf entier. Ça, c'est un bœuf. J'ai posé une question, réponds-moi. Non. Tu as déjà préparé. J'ai déjà préparé un poisson entier. J'ai déjà préparé. Tu as atteint le niveau-ci. Ah. Mais Soleil, vous me regardez, elle a atteint le niveau-ci. Moi, je mets ça au feu dans la même marmite de tout. Tu peux. Quelle marmite? Laisse avoir le cuir. Ouais. Pardon. Bon, mais Soleil, pour aujourd'hui, on aura besoin de quoi? Tu peux te taire. Que tu prépares d'abord quoi? Attends, donc tu vas préparer tout l'animal-ci. Tu as d'abord pris ça où? On va pour marcher. Ah non, tu es parti au marché, tu as dit je veux un animal entier. Sa tête est où? Tu as jeté sa tête. Je suis arrivé au marché. J'ai dit donnez-moi une chèvre. Je leur ai un bamena. D'accord. Les voleurs de chèvres. Voilà, j'ai acheté une chèvre entière. Ah, pourquoi c'est une chèvre ici? Ce n'est pas la chèvre. Ah, ce n'est pas la chèvre. C'est la chèvre ici. C'est quoi? Roxane! Viens! Roxane! Viens, mamie! Oui, ça c'est la chèvre. Elle au moins, peut-être parfois, elle n'est pas de mauvaise foi. Voilà. Roxane, viens. Elle nous a pas connu quoi? Elle peut même pas connaître. Ce n'est pas la chèvre ici là. Il faut demander à ce n'est pas la chèvre ici. Ça, c'est la chèvre ici. Ah, mais Soleil, regardez la jalousie. Mais quand ils n'ont pas fait l'école de cuisine, ils veulent venir me parler. Ils veulent me parler des. C'est pas le mouton ici là. Mouton, comment tu es bête comme ça? Tu l'as fait ici. Ah. Il faut faire l'école de cuisine pour savoir distinguer je sais pas, les animaux. Laetitia, c'est quoi ici? Ça, c'est l'antilope. C'est l'animal qui court vite là. C'est ça. Ah, c'est la chèvre. Ce n'est pas la voilà chèvre. Voilà, c'est le téton. Je maîtrise. J'ai fait l'école de cuisine. Voilà les mamelles, les tétons de la chèvre. Attendez un peu. Vous voulez. Tu veux parler? Vous faites avec qui, pardon? Je prépare le congrès aujourd'hui. Eh, avec tout ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu doutes? Qui a mis tout ça? C'est moi. Laisse-moi détailler ma cuisine. Bon, on y va. Je suis en présence de mon assistante inutile et la vigneroue jalouse. Voilà. Maintenant, on fait ceci. La vérité, elle s'amuse. Bon, maintenant, voilà ce qu'on fait. Je fais ma cuisine, je fais le congrès aujourd'hui. Et même, Laetitia, aujourd'hui, tu vas manger mon congrès, tu vas lécher les doigts. Je vais manger, il y a la viande dedans. Tu doutes? Je vais manger. Il y a la viande. Mais si tu ouvres le congrès, tu la viande ici là. Que c'est quoi? C'est ma chèvre qui l'a acheté au marché. C'est pas la chèvre. Ouais, oh, c'est quoi? C'est la doute qui l'a acheté. Pourquoi les filles sont comme ça, non? C'est la doute de qui? Avec l'antilope. Bon. Je peux continuer. Vas-y, je t'aide à nicher là. Non. Je fais tout seul. Ça va alors. Vous pouvez m'aider seulement à regarder. Ça va, non. Je fais seul. Ça va. Je peux continuer. Vas-y. Bon, bienvenue dans ce troisième numéro de Dans la cuisine de William. Attends un peu. Troisième. Attends, le deuxième. Le premier numéro, c'est le business talk. Oui. Le deuxième numéro, j'ai annulé. Pourquoi? On passe au troisième. Pourquoi? On met pour le troisième là, le deuxième là, je ne veux pas mettre mes soleils voir ça. Roxane. Ah! Pourquoi il ne veut pas qu'on mette sa ligne? Il ne veut pas que la honte. Mes soleils. Un homme n'a pas honte, un homme ne pleure pas, un homme n'a pas honte. C'est la honte. Mes soleils, il sait qu'il a chié, il a pissé sur lui. Si vous regardez bien, pour ceux qui ont été vigilants, ils ont vu le poste que j'ai fait en communauté. Ils ont même commenté Noé, où beaucoup disaient qu'ils veulent rivaliser Tata Kim. Allez regarder, le gars a un gros pain comme ça, il voulait faire le, c'était quoi, super méga, le super spécial galactique géant business dog. Voilà, le gars a fait, vous voulez savoir comment ça s'est terminé?
Ne vous inquiétez pas, je vais mettre pas la vidéo là en ligne. Pourquoi tu veux mettre à cacher le disque dur. Depuis tu voulais mettre, non. Tu vas pas trouver le disque dur. Je vais mettre ça en ligne. Et j'avais même déjà enregistré la vidéo là dans ma machine. Donc je mets la vidéo là en ligne. Vous allez voir son deuxième numéro. La honte qui veut chasser la mort. Vous allez voir ça. Je peux continuer. Vas-y. On oublie, je ne peux pas le congrès, mais soleil. Quelque chose que Laetitia n'a jamais fait et quelque chose que Roxane ne pourra pas faire même dans sa cinquième vie. Voilà. Bon. Pour ce numéro de dans la cuisine de William, on va faire le congrès aujourd'hui. On aura besoin de quoi? Du sel. Papa, si tu ne sais pas ce que c'est que du sel. Quand commence la présentation, on va du plus de l'élément le plus important au moins important. On est dans la cuisine de William. C'est-à-dire que tu commences à la base. J'ai déjà dit le plus important qu'on a besoin de la chèvre. C'est l'antilope. C'est la chèvre. Et c'est le mouton. Mouf. Ouais. Et ce n'est même pas l'élément principal ici. L'élément principal du congrès, c'est quoi? C'est le plantain. Quand tu congrès, plantain, et puis maintenant vient en seconde position l'animal avec lequel on va préparer. Je suis en train de t'aider. Je suis en train de te former. Tu devrais me dire. Je peux continuer. Vas-y. On aura besoin du sel. On aura besoin de l'huile de palme. Tamis, on ne fait pas le congrès avec l'huile d'arachide, mais soleil. Même si tu es bonbon, n'importe comment, même si tu as trop d'argent, c'est pas bon. On fait le congrès avec l'huile rouge. C'est tellement fort que voilà Google qui te répond là. Ouais, pardon, laisse les trucs qui vont pas m'aider. On fait le congrès avec l'huile rouge, mes soleils. Déjà, prenez cahier maquette, dites mes soleils. Ceux-ci, elles ne veulent pas accepter qu'elles sont à l'école. Ouais. Mais moi, je vais leur démontrer que je suis le meilleur en cuisine. Ça ne fait que venir. Je continue. Mes soleils, pour ce numéro de dans la cuisine de William, pour faire le congrès avec la chèvre, on a besoin de plantain. Je n'ai pas dit la banane. Où est tes oreilles? Ce n'est pas la banane, c'est le plantain. Je suis dans. Voilà. On aura besoin de plantain. Vous partez, j'ai acheté le marché, c'est le plantain, c'est au marché quoi. Voilà. J'ai acheté le plantain de. Laetitia dit souvent, elle a souvent la quantité de plantain qu'elle a acheté. J'ai acheté le plantain de 1500. Voilà. C'est toi qui as acheté le plantain là. Où sont les preuves? Montre la photo. Je peux continuer. La femme à qui tu voilà. as acheté ça. Maintenant, on aura besoin des épices. Mes soleils. On aura besoin d'oignons. On dit oignon. C'est ma cuisine, je prononce comme je veux. Ah. On aura besoin d'oignons, mes soleils. On aura besoin de piment semi-sec. Non, sec, c'est sec. Hmm. On aura besoin de piment sec. Oui, on aura besoin, mes soleils, de cubes. On aura besoin, mes soleils, du njansan. Ce n'est pas le njansan. Hey! Non, c'est le pauvre blanc. Okay. Non, mais c'est on peut faire des erreurs. On aura besoin du poivre blanc, mes soleils. On aura besoin du poivre blanc. On aura besoin, mes soleils, du njansan. Ce n'est pas le njansan que les filles écrasent pour devenir kangourou comme celle-là avec le jansang là et tout. Ce n'est pas le jansang que celle-ci prévoit faire d'ici quelques mois pour venir aussi brune comme l'autre là. Hey, non, ouais. C'est le jansang qu'on met dans la nourriture. Attends, j'ai bien entendu. Tu as dit que je fais le jansang. Et que je prévois faire le jansang au moins. Non, il faut le jansang. Même si ce qu'elle dit n'est pas vrai, tu as prévu que je ne suis pas un vrai cuisinier. Tu m'as menti, laisse-moi mentir. Voilà. Ensuite, mes soleils, on aura besoin d'un truc. Non, attends, ça c'est les clous de girofle. Voilà, on aura besoin des clous de girofle, mes soleils. On aura besoin des clous de girofle. On a compris. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les clous de girofle. Oui, voilà. Pardon, c'est le 12 pour ma fille. Voilà. Attends, laisse-moi continuer. Ouais, c'est comment? Attends, non. On aura besoin, mes soleils, d'ail. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'ail. Hey. Voilà ça. Voilà, maintenant, on aura besoin, mes soleils, de poivrons. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le poivron. Voilà ça. On aura besoin, mes soleils. Il réfléchit ce qu'il connaît. Il ne connaît plus. Du thym. Voilà le thym. Le thym simple. Le thym simple. Le thym nous présente encore ça. Ça, c'est le thym et quoi? En tout cas, on avait tout ça, le thym. La feuille, c'est quoi? C'est le thym, la feuille, c'est quoi? Le thym, en principe, c'est les deux réunis. Pardon, continue d'appeler. Vas-y. Mais c'est qu'on a fait le dos. Bon, mes soleils, on aura besoin de quelque chose qui est un peu sec comme ça, là. Moi, je ne connais pas, c'est quoi, ici?
Les feuilles de quinquennibal. Voilà. Ok. Le soleil, on aura besoin du poivre noir. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas le poivre noir. Ouais, c'est juste seulement. On aura besoin de poivre noir, mes soleils. Voilà. Mes soleils, on aura besoin d'un truc qui est sec. Un truc sec comme ça là. On appelle ça l'herbe de province. Oui, l'herbe de province. Voilà. Mais sur l'herbe, on aura besoin d'un truc comme ça. Continue, il faut avec ce à côté. Qui est comme les palmistes. Mais c'est un truc bizarre. Un rondelle, non. Ça sent comme si c'est. Même les rondelles. Comme ça, le pluie. Oui, non, même les rondelles. Voilà. Ça sent le pluie. Voilà, on aura besoin des rondelles. Ça sent voilà. Le pluie. Voilà. Mais soleil. On aura besoin. Continue avec son homologue qui est à côté. C'est quoi ici comme... C'est pas c'est bête comme ça. Là, on met pas la nourriture comme ça. C'est quatre. C'est quatre côtés, non. C'est bête. On aura besoin des quatre côtés, mes soleils. C'est bête. Oui, voilà. C'est bête, mais comme vous parlez, voilà. Présente le dernier homologue d'abord avant de passer à autre chose. J'ai à tout présenter. Tu as présenté le pépé. C'est pas la même chose que ça, ça. Non. On aura besoin des pépés. Voilà. Tu n'as pas présenté l'homologue des feuilles de province, voici ça. C'est quoi ici? C'est quoi? Les grains de riz ou anis vert. C'est les grains de riz ou anis vert. Ah, mais je pense souvent ça dans la cuisine, ils disent c'est anis vert. Je aussi dit oublié, anis vert. Ah, c'est bon à moi. Ça se dit déjà. Oui, on a besoin de ginger ou gingembre. Elle ne connaît pas. Laissez-moi, on connaît. Mon élève connaît, ça ne connaît pas. Regardez. Bon, c'est quoi ici? Même ça, tu ne connais pas. C'est quoi? Les feuilles d'ojom ou bien les feuilles de ginger. Feuilles d'ojom ou feuilles de ginger, voilà. Ça va non. Mais j'ai tout présenté. Bon, mes soleils, ensuite. Je peux t'aider. Je fais quelque chose d'assez fluide. Ensuite, mes soleils, on aura besoin de. C'est trop mélangé, va. Coucou mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cuisine de Laetitia, confisquée par William. Oh, la cuisine de William et la cuisine de Laetitia. Tu peux parler. Bienvenue dans la cuisine de Laetitia, confisquée par William. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans la cuisine de William. Voilà, pour faire le congrès plantain antilope, William aura besoin du plantain, non mu bien évidemment, de la viande d'antilope. C'est pas qu'elle se m'a laissé, c'est pas parce qu'elle est meilleure que moi, c'est pas qu'elle se m'a laissé. On a compris. Voilà. Il aura également besoin de l'huile de palme, comme il a dit tout à l'heure, il aura besoin de sel. Concernant les condiments et les épices, il aura besoin d'oignons, d'ail, de poivrons, de feuilles de quinquennibal, de gingembre, de piment sec de préférence. Il aura besoin du thym, du cube, il aura besoin du poivre blanc. J'ai déjà dit d'ail, non. Donc, il aura besoin des quatre côtés, des rondelles, des pépins, des clous de girofle. Il aura besoin des grains de riz ou d'anis vert, d'herbes de province, de poivre noir, de jansan, des quatre côtés, du thym, des feuilles d'ojom ou de ginger. Je pense que j'en ai terminé ici. Et de ce côté-ci, il aura besoin des condiments verts. Nous avons le céleri. Nous avons ça, c'est basilic sauvage. Basilic sauvage. Ah. Ça va. Le basilic du village sauvage. Là, le persil. Où est le poireau, William? Il n'y a pas de poireau mâché. Et est-ce qu'il y a même le basilic même? Oui, voici ça, et c'est sec. Donc voilà, il va préparer. C'est quoi? C'est qu'est-ce trouvé, non? Ça va, ouais. Est-ce que c'est la guerre? Il va préparer son tous les trucs sont bêtes là. La mère qui m'a vendu ça, moi j'ai pas fait le congrès. Elle dit ce qu'elle voulait. Elle a augmenté les choses là-bas, je ne connais pas. Moi ça m'énerve. Elle n'a rien augmenté. C'est comme ça. Mais pourquoi elle a augmenté les trucs que je n'ai pas demandé? Ah, doucement, tu vas réveiller bébé soleil. Oh ma chèvre. Oh, elle est jolie. Ce n'est pas une chèvre. Coucou mes soleils. Excusez cet homme. Il est surpris. Willy, on a fini la présentation. On peut continuer. Continue. C'est quoi la première étape, pardon? Vas-y vite. Attends. Ne nous perds pas le temps. Attends, je remets le téléphone là-bas, on continue. Maman, c'est une affaire de iPhone 12. Pro Max. Bon. Roxane et moi, on observe la scène. On est curieuse de connaître la première étape. Donc, on va d'abord poser. On l'aide à poser tout ça là. J'ai demandé si je peux t'aider à Michel Aïe. Non. C'est moi qui vous dis ce que vous faites. Ah, ça va. On t'a encore fait. Il n'a pas dit qu'on regardait. Ça va. Quand tu vas dans les grands restaurants, le chef ne travaille jamais beaucoup. Il reste qu'il donne des ordres. Il va derrière comme ça, dit que. Oui, qu'on veut. Qu'il va nous donner les directives et puis on va comparer à sa place. Tu as bien dit qu'on touche bien ici, là, non. Mais c'est qui va laisse présenter. Le gars, il vient toujours préparer avec la Bible blanche sur lui. C'est moi qui l'a.
Ça va, non? Maintenant, mes soleils, mes soleils d'amour. Maintenant, on va faire quoi? On va découper notre chèvre. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est quoi? C'est que pendant que mes assistantes épluchent l'ail. Voilà. Miché. Tu peux voir que la caméra là vous fume bien. Comme ça. Voilà. Pendant que le soleil épluche l'ail. Miché. Moi, je vais assistant inutilement le couteau. Pendant que mon assistante est mis là, pendant ce temps, mon autre assistante va éplucher le plantain. Regarde-moi quelqu'un qui dit qu'il est en train de. J'épluche le plantain. Il faut donner le gros couteau, non? Donne-moi le gros couteau. Oh, tu me scores. Écoute là-bas. Voilà, merci. Ok. Tu n'as pas dit la première étape au soleil, tu sais. Ma première étape, c'est que je découpe d'abord ma viande pendant que tu niches là, l'autre fait le plantain. Ah, ok. Une fois. Tu peux seulement purer ça. Pas bien ça, sinon. Faut toujours que les gens viennent me nourrir. Quand tu vas découper ça, ça va pas sale. C'est pas mieux de découper. Ça va couler sinon. Ok. Bon, mes soleils, le plus important, c'est que il ne faut pas brutaliser l'animal. Quand tu brutalises l'animal, l'animal aura mal. Et si l'animal a mal, quand tu vas manger, tu auras aussi mal à la dame. Voilà. Attends, l'Ivoirien a chanté quoi? Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. C'est-à-dire que tu dis que tu ne brutalises pas l'animal qui est dans mon. Apprends là-bas à couper, apprends à couper. Là, comment coupe la viande? Je voulais te demander aussi quelque chose. Quoi? On dit souvent que les animaux aussi. Ils ont un truc là que si tu pèses, ça va rendre la viande amère. La bile? Oui, je pense que c'est en haut là-bas. Tu as déjà retiré ça. Il y a une toile intérieure. Ok. J'espère. Après, tu prépares le contraire amer. Maman. Hein? J'espère que tu as déjà allumé le charbon. Tu vas préparer ça là-bas sur le charbon. Je fais ça sur le gaz. Je suis un citadin. Je n'ai pas grandi au village. Donc c'est au village quand on passe le charbon. Oui. Tu connais quoi? Mais... Maman, le barbecue de ça. Ouais, ah, c'est va le premier morceau de notre chèvre. C'est l'antilope. C'est trop fort. Va là-bas. Où je lance par là-bas. Mets-toi de l'autre côté là, on lance là-bas. Attends, tu me dis que tu vas prendre un gros morceau comme ça. Ça va entrer dans quel manière? Le chef de coupe le gros et l'assistante de coupe le petit. Mets-toi là-bas. Oh. Enfin, en fait, tu n'as pas fait la même erreur qu'il y a le business d'homme géant. On ne peut pas une partie de la viande ici. Le reste, on fait au congélateur. Et l'autre, maintenant, tu donnes un paquet à Kim, tu donnes un paquet à Brenda, tu donnes un paquet à Bogos, tu donnes un paquet à Guy le retour. Hein? Tu penses vraiment qui allait te laisser préparer tout ça? C'est ta cuisine. On a seulement bagarré ici. On ne manque pas le respect à un chef dans sa cuisine. On ne manque pas le respect à un chef dans sa cuisine. La fille, viens un peu. On ne va pas ici. Pour que la caméra te voit travailler. Viens ici. C'est toi qui dois montrer au soleil comment on épluche le plantain. Mais tu envoies Roxane. Là, c'est M. Tarek à sa cuisine. Les chefs ne vont pas les chambres ne se salissent pas les doigts. Voilà. Mes soleils, deuxième étape, on fait quoi? On découpe la patte gauche de notre chèvre. Moi, c'est la deuxième étape. Mm-hmm. Deuxième étape de découpage. Je dois aller ici. Découper une chèvre entière est un art. Oui, il faut comment vous mettre dans sa tête que ce n'est pas une chèvre. Mieux, j'ai compris en ce moment. C'est là où il y a le lait. Moi, il connaît. Je suis un animal. On va mettre le lait aussi. Le lait. Je suis pas vétérinaire. Dans le congélateur. Là. On va mettre le lait dans le congélateur. Là. Avec quoi? Le congélateur. Le lait qu'il y a dans la caramel, là. Mais si on fait, ça va donner un goût. On va avec qui? C'est là que si je mets.
Maintenant, c'est si on met. On a quelques parents ensemble, non? Tu es en train d'exécuter mes ordres, non? Maintenant, c'est quand on prépare ensemble. Dis que vous êtes en train de préparer. Tu exécutes mes ordres, non? Donc, la cuisine, c'est pas, c'est une affaire d'équipe, hein. Mais il y a tout le chef. Celui qui commande. Maintenant, tu acceptes que c'est une affaire d'équipe. Et ça veut que l'histoire, c'est d'être épousée au Cameroun. Voilà. Maintenant. Je suis fatigué. Toto comme ça. En principe, le genre de choses aussi, quand tu achètes, le genre que tu sais que tu vas venir à la maison, tu vas poser ça dans un endroit, tu vas prendre la machette et puis tu vas couper. Tu viens, tu prends le couteau. Tu es là, tu fais comme si. Où sont les enfants qui ont grandi en ville? Si tu avais grandi à Bamina, au village, c'est que tu te comportes comme un vrai Bamina, genre un vrai voleur de chèvres. C'est que dès que tu prends l'animal, c'est comme ça, tu as déjà découpé même en 10. Bon, mais Soleil, le chef cuisinier en ce moment, en cuisine, c'est le chef qui commande. Voilà, maintenant. Le chef passe à l'ail et donne. Attends un peu. C'est pas la sorcellerie, ça. Regardez-moi la sorcellerie. Donc, c'est moi qui dois découper la viande. J'ai une force. Je viens d'accoucher. Je ne suis pas censé faire le mouvement brusque. Tu vas remettre transpirer depuis là. Viens découper ta viande. En plus, moi, je ne serai pas d'abord. Hé, le lait qui coule. Vous avez tué un animal qui était en train d'allaiter. C'est moi qui ai tué. La femelle de l'antilope, c'est quoi? L'antilope, pas. La biche. La biche, c'est un autre animal. Moi, je ne connais pas Evelyne. Tu ne connais pas comment? Je ne connais pas. Dis alors que je suis meilleur que toi. Tu es meilleur que moi, voilà, je ne sais même pas. Tu as compris, non? Répète. Comme tu as dit que. Elle a dit que je suis meilleur qu'elle en cuisine, répète. Il a dit, repète, tu devais dire, je suis meilleur que la cuisine. Toi, hein. Ouais, la vérité commence à sortir. Mais Soleil, je l'ai laissé découper. Pas parce qu'elle me dépasse, parce que je voulais qu'elle accepte que ça va la dépasser. Pardon, mais. C'est un bon bandit. Comme c'est moi qui cuisine, alors mieux je vais pas attacher mon foulard. Qui cuisine? C'est toi qui as cuisiné ça. Je suis déjà en train de cuisiner. Pardon, arrête ça. C'est toi qui découpe la viande. Non, c'est la personne qui découpe la viande et qui a cuisiné. Pardon, il faut dire. Ouais. Si ça te dépasse, tu me dis, j'appelle Robert. Je suis sûr que si Robert prend le machin là, tchac, deux minutes, il a fini. Il a fait. Ta cuisine, c'est le cerveau, c'est pas la force physique. Mais découper la viande, c'est pas le cerveau, c'est la force physique. Le cerveau, il faut savoir comment vous faites. Tu vas besoin de foulard. Hein? Tu vas besoin de foulard. If you want. Ok. La façon qu'on découpe les morceaux, là, gros comme ça. Attends, il faut d'abord couper comme ça avant de couper encore après, non? Ça va, ouais. Quand tu n'as pas fait les cours de cuisine, il ne faut pas venir interroger les gens. Maintenant, je suis en condition. Je sens que non. La nourriture, c'est du pas cuit même jusqu'à après demain. Parce que Jacques, pour d'abord faire la présentation, on fait une heure de temps là. Pour découper la viande, 2 heures de temps. Est-ce qu'on va préparer toute la viande? Et retenir la leçon avec le business d'eau. La viande, si tu es au feu. Tu es au feu. Je voulais aussi te demander, tu vas écraser les condiments à la pierre, non? Parce que c'est le goût. Il faut que le condiment là. Pourquoi tu veux infiltrer ma cuisine? Infiltrer comment? Tu veux les goûts, demande-moi. On écrase les condiments de Gondré à la pierre ou à la machine. Demande-le.
Ok, j'ai demandé. On découpe pour que le goût soit bien conservé. Pourquoi? La paresse va te tuer. Si tu veux d'un fruit, tu vas écraser à la pierre. Pas la pierre. Il faut pas te mettre ici. Tu vas nous montrer ta force. Donne-moi un homme qui va soit écraser les condiments à la pierre. Oui, non, du haut de tes 38 ans. Tu vas tu prends les photos, tu vas te moquer de... Ah, le moulinex là-bas. C'est le mixeur. Il y a la différence. C'est trop monté que tu connais. C'est pas que je connais. C'est trop monté que tu connais. Ah, tu ne connais rien. C'est trop monté que tu connais. C'est monté qui connaît. Non, c'est trop monté que tu connais. C'est toi. Tu connais rien. C'est you. Une chèvre entière est un art. Oh, la chèvre. Même la chèvre est étonnée. La chèvre. Il fallait alors acheter la chèvre. Tu as acheté ça dans quel marché? T'es en ville. En train d'acheter le. Ouais. C'est en train d'acheter quoi? Quand j'étais en train d'acheter le sapin, comme tu as appuyé mon cou, que tu ne veux plus le petit sapin là. J'ai appuyé ton cou. Oui. Ok. Tu m'as menacé ici avec là maintenant. Oh, il ne veut plus le petit sapin là. Oh, le sapin là, il ne me ressemble pas. Oh, l'année passée, pourtant, tu te ressemblais. Oh, il ne veut plus le sapin là. Oh, maintenant, quand j'ai cherché le sapin, non. Après, j'ai cherché la tenue du Père Noël pour. C'est la tenue du Père Noël donc pour oui. Le tournage. Oui, le tournage de Noël, non, Van Isbeck. Oui, maintenant alors, tu t'avais Eric. On s'est arrêté là, mon copain, bien. Il y a un gars qui passe donc. Tu vois les magués là qui marchent avec le. Avec les queues de bœuf. Oui, les queues de bœuf, il est tout là dans le plateau. J'achète. Voilà, maintenant alors, quand je vois ça, il y a Eric. Eric, j'ai une idée. Si j'ai préparé une chèvre entière. Ça a fermé la bouche de Métis, c'est à cause de sa bouche est fermée maintenant. Maintenant, il ressemble alors à Wanda sur moi. Elle va m'appeler seulement mon Seigneur. Voilà. Maintenant, alors, il dit au gars là, il peut trouver une chèvre entière. Il me dit, grand frère, ça manque pas. Il m'a embrouillé. Non, le gars là, t'a menti. Il t'a une chèvre entière. Une chèvre entière. Une chèvre entière, c'est combien? Il dit, grand frère, c'est seulement 250 000. Il dit que tu penses quoi, la chèvre t'a mordu. La chèvre qui t'a mordu là, tu me vois à 250 000. La tête, tiens. Tu prends pour qui? Oh grand frère! Oh, tout voilà bien autour. Toi c'est business production. On vous voit seulement la télé, vous avez l'argent. Ah, donc quand on passe à la télé, ça veut dire qu'on a l'argent. On triple les prix. Voilà. Donc même s'il y a l'argent, tu crois que c'est pour ça que tu vas venir me tacler en pleine route comme ça là, que tu vas me vendre la chèvre à 250 000. C'est vrai qu'il peut avoir des chèvres à 250 000. J'ai les moyens d'acheter une chèvre de 250 000 grands frères, vous avez l'argent. La chèvre pour doter vos amis, hein, maman. Hey, 250 000. Et donc, dit au petit là que mon petit. Fais attention. Il a dit grand frère, allons alors. On est parti. Quand on est parti. Et. Vous êtes parti où dans quel marché? Vous ne connaissez même pas le nom du marché. On est seulement parti avec vous. Ouais. On fait ça là-bas. Ils ont. Égorgé. Et de tease. Maintenant, quand il voulait nettoyer, hé, pardon, je suis un pro. On nettoie pas ma viande, madame, pas place. Donc, tu as nettoyé toi-même. Et puis, tu es rentré ici, nian, nian, fort pour qu'on mette vous là. Ils m'ont donné une blouse, non. Ils t'ont donné une blouse, hein. Oui, j'ai fait ça. Ah, je t'avoue quand même que je suis trop fort. Très fort. Avouez, ça te dépasse tête. Tu sais la punition. Ouais, ça, c'est bon. Merde. Tu as fatigué. Non. Tu viens même couper ça, je me donne la tête. Non, non. Il y a la série sur ça. Bon, il était en train de dire que. Oui. Découpe alors d'abord la quantité que tu vas préparer. Tu poses l'autre, non. À côté, quand on va commencer à préparer, la mamie sera au feu là. Tu vas découper le reste, non. Combien de congélation. Ok, on ne peut pas qu'elle partie, qu'elle partie. Ce que tu découpes le plus, c'est pas pour préparer. On découpe d'abord toute la viande, non? Tu veux qu'on ne voit pas quelle partie? Dis-moi la partie qui coupe. Ça là.
Bon, attends. Dans les pâtes, voici les quatre pâtes. On fait combien de pâtes? On fait une pâte, on garde trois, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, on va garder trois pâtes. Garde les petites. Prends la plus grosse. Ok. Maintenant, c'est parti. On peut pas ça. On garde ça. Oui. Hein? Mm-hmm. On garde tout le reste. Mm-hmm. Ok. Donc, tout ça, on coupe après. Mm-hmm. Et pour ce moment, c'est là. Mm-hmm. Ok. Pas trop. Pas organisé dans le travail. Non, mon téléphone là-bas, non. Oh, ça va, tout ce qui reste ici. Du coup, parlons maintenant bien. Ok. On peut pas se voir ça. Oui, mais sache que tu vas. Non, c'est pas beaucoup. Ok. Mais sache que tu vas découper tout ça avant de dormir. Parce que j'ai pas la force de ça. Il faut mettre au congélateur, sinon ça se met à la. C'est la condition, mon frère. Ok. Si tu ne voulais pas le jeune travail, il fallait demander aux gars là, de découper son là-bas avec leur machette tranchante. Là. Viande de bouche préférée. Je sais que tu aimes le machin. Comment ce que les femmes avant de le pangolin. Oui, le pangolin. Il y a le pangolin, il y a la biche. C'est ça mon. Moi j'aime le rat. Le rat, c'est pas une viande de bouche. Je sais, je ne t'ai même plus dedans. Dis merci. La viande. Dis merci, moi je t'en prends les choses tous les jours. Hein. Ça va, merci, si ça peut te construire. Merci, gros. Ça peut t'aider, non, ça va. Tu vas encore laver, non? Bien sûr. Est-ce que c'est même laver? Non, on peut te faire ça, non. Quand on fait, n'est pas ça. Il y a 100 degrés, ça tue les microbes. Pardon, Ça, c'est bon comme ça, c'est bon? Oui, ça va. Ok. C'est pas trop gros. Ah, là, il vient de ça, là, on va mettre la diminuer. Tu vas pas. Je sais pas. Tu m'as dit que tu as nettoyé l'histoire sinon. On a nettoyé à partir, non. Voilà, où ce sont les intestins que je vois aussi. Il y a encore ces caca dedans. Hein. Et tu dis que tu as. Ouais, touche plus ça. Et regarde l'autre. C'est quoi ça? Pardon, nettoie ta viande. Oh, mais soleil, vous ne voyez pas la sauce. Tu veux. Achète-moi les poulets, on vient de voir. Il y a les cacas. Comment pour faire à manger, il faut se salir les mains comme ça. Ah, ça énerve. Tu voulais te salir les pieds. Ah, ok. Lève alors les pieds, tu peux parler. Mais attends, tu travailles, je ne peux pas m'asseoir, regarde Netflix, tu fais tout ça après, mange. Il n'est même pas. Ah, non, c'est quoi? C'est trop salissant. Tu sors, ah. Je te suis. Ah. Tu as fini. Voilà. Ça, on a fini, chef. Dès que tu peux, Jésus, te fais confiance, dis ce qu'elle va faire. Pourquoi après tu dis encore que fais comme ça et tu dis que c'est moi le chef ici? Non, moi je dis rien. Oui, ce qu'elle va faire. Prends le condiment, mais tu laves. Comme ça, prends le condiment, mais tu laves. Ah, Seigneur Jésus. Ça va, non? Tu as gagné, non? Tu laves bien, ma peau. Tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus en vain comme ça. Je vais pas prononcer. Il a transformé l'eau en vin, il a fait des miracles, il a soigné les gens, mais il n'a même fait la cuisine. Donc, on ne prononce pas son nom. Je ne vais pas prononcer son nom. Ça va. Un professionnel ne peut pas tomber. Mais j'ai peur que la viande va petite. Tu vas monter, non? Oui. Nous prenons la porte. C'est parce que te connaissant, tu es capable de manger sur les montants là.
Ah, il y a un plan là-bas, tu dis que la grande sera petite. Attends, c'est ce que tu découpes. Et il ne comprend pas tout, tu as refusé, maintenant tu dis que la grande sera petite. Ah, on ne peut pas tout. Ok, il découpe alors tout ça, on ne peut pas. Pourquoi tu as des défis comme ça? Tu penses que ça peut me dépasser? Attends, je ne sais pas que tu connais seulement ce qu'il a bouché. Ça m'étonnait même déjà que vous n'êtes pas arrivé depuis la fin. Tu veux voir? J'abandonne. Tu abandonnes quoi? Pardon. Récupère, tu viens finir ta cuisine. C'est un petit monsieur, hein? Est-ce que d'abord, non? Il fallait d'abord bien mettre l'eau. Qui m'a envoyé dans la cuisine? Oui, c'est profond. C'est tranché le doigt, hein. Alcool. Oui. Là, c'est la petite table. Ça va? Elle se moque de moi. Le cuisinier pro. 40 ans d'expérience. Ah. La magie. Et tu as vu? J'ai pris mon appel. Oh. Tu es prêt à crier? Ouais, mais dedans, si un homme ne me crie pas, elle ne me pleure pas. Oui. C'est où? Vas-y, va. Oh, quand je le lèche, ça fait pfff. Il faut parler. Ça n'arrête pas de couler. Il faut bander, non? Attends comme ça. Mais là-bas, la colle vient, parce que ça descend. Laisse encore la colle ici, pardon. Oh! Oh, mon sang! Je me suis coupé le doigt. Vas-y. Vas-y. C'est bon. Il a taillé son bac et tchac! Bang d'alors. Attends, je dois seulement aller chercher le machin. Allô, bando. Donc, moi, ça coule, Léa. Retire ça. Ce qui est mouillé là. Attends, c'est Non. Ok, on va envoyer en cuisine. Ici, là. Je sais pas. T'as pas ta pharmacie est où? Il n'y a pas ça des jambes. Oui, beaucoup. Faut que je fasse. Tu m'attends pas à l'hôpital. Oh mon père! Non! Non, ok! Pardon, mais qu'est-ce que c'est? Il fuit. Maman, pardon, viens préparer la nourriture de ton. Moi, il n'est pas à force de préparer. J'ai dit la fête depuis le début.
On n'a pas écouté. Mais Soleil d'amour, William, pardon, avant de partir, viens d'abord signaler ta sortie à tes soleils. Viens pleurer. Et puis même, tu pars ou viens prendre la chaise, tu t'assois, tu prends les coups. Parce que maman va prendre la relève. Voilà. Moi, il n'est pas la force. Mais Soleil, voilà mon doigt qui est coupé. Mais Soleil, je le dis maintenant là, la personne qui a fait mon doigt c'est Roxane. Elle est assise là-bas, elle sait les fils. Comment elle a vu que je vais faire le congrès? Elle est jalouse, elle sait les fesses, Voilà. Attends. Pauvre Roxane. Maman, pauvre de moi. Pauvre Roxane. Ouais, c'est vrai. Quand il a pris la parole, il y a ceux qui voulaient déjà chercher quelqu'un qui s'approchait. Voilà, regardez mon doigt. Voilà mon doigt. C'est elle. Voilà. Voilà maintenant, je suis handicapé, je ne peux pas finir ma cuisine. Oui. Alors que je l'ai préparé seule. J'ai fait quoi? Voilà. J'ai fait quoi? Ouais. Tiens, diminué, tu ne peux plus faire ta cuisine. C'est quand ce bien, tu dois faire la cuisine. Qui a dit ça? Viens alors dire que tu confies ta cuisine à voilà la sorcière. Voilà la sorcière qui a serré les fesses. Mon doigt s'est coupé. Voilà mon doigt. Je suis maintenant handicapé. Je suis handicapé. Je serai invalide pour la cuisine au moins pour 6 mois. Parce que demain matin, je pars à l'hôpital. On va m'opérer. Regardez. Voilà ça. On va m'opérer. Voilà, je serai handicapé au moins pour 6 mois. Voilà ça. Voilà mon doigt, non? Les femmes qui disent voilà mon doigt, non? Elles se blessent avec le couteau tranchant. Elles ne continuent pas à cuisiner. Quand elles arrivent, elles vont manger quoi? Je suis un homme fragile. Quand je me blesse comme ça, non, ça va, non? Tu as gagné, non? Décide tes fesses maintenant. J'ai les tomber. Ça va, non? Ça va, non? Je vais pas m'avoir regardé mon Netflix. Tu confies ta cuisine. Tu vas se faire regarder. Il s'est même blessé. Il s'est blessé exprès, Roxane. Oui, il s'est blessé exprès. Grand-mère Soleil, pardon, viens, hein, parce que moi je n'ai pas la force et je n'ai même pas l'intention de préparer le congrès ici. On m'a trop mal parlé. Ouais, mais c'est là, il défile dans la maison comme un mauvais esprit. Ouais. Donc, j'ai acheté un animal vivant. Ou j'ai acheté la chèvre. Ou j'ai acheté le mouton. T'es laissé, non? Ça va? C'est Roxane qui a serré les fesses. Qui m'a menacé? Hey, tu viens dire comme ça de soutenir. Elle a serré ses fesses. Elle serre les fesses pour que j'échoue. Qui m'a menacé? Qui t'a menacé? Maman, tu as souvent l'habitude de regarder mes émissions, mon émission culinaire, non? Donc tu connais comment je fonctionne. Il faut seulement dire. William a déjà fait l'introduction, il a présenté les éléments et tout. Donc maintenant, il est calé au niveau du découpage de la viande. Donc, j'ai déjà niché l'ail, j'ai lavé le piment et tout, Roxane a fait le plantain. Donc maintenant, tu dois seulement donner la prochaine étape au soleil. Donc, viens te positionner ici, comme les soleils vont bien te voir. Voilà. Et tu te présentes d'abord. Coucou. Coucou, mes soleils. Maman, j'ai une précision. S'il te plaît, à chaque fois que tu parles, précise au soleil qu'on est dans la cuisine de William. Regarde. Tu cuisines. Pour que tu coupes ton doigt, mon frère. Pardon. Je ne veux pas couper mon doigt. Je ne me déconcentre pas. Ok, bébé. Tu fais les mêmes erreurs comme moi. Petit truc. Tu es comme ça. Comme un arbre fait, bon. Comment tu es comme ça? D'ailleurs. Non, ça va. Ça va, non? Regardez alors. Willy, on va faire comment de la viande ici? Il y a comment? Il faut garder ce congélateur. On va le congélateur là-bas, non? On vit le congélateur, non? C'est beaucoup trop gros. On va découper, non? On va découper. Oui. Ok. Ma, tout ça ne va pas, non? On prend ça entier comme ça, on pousse ça là-bas, le congélateur. Entier. Ça va entrer. Je suis fort, oui, pour ça va entrer. Merde. Donc quand elle est assise là-bas depuis, elle fait son travail, elle attache ses fesses. Elle sait.
pour que je fasse un accident. Mon verre, mon doigt, je suis handicapé, ma. Ma, la prochaine étape, c'est quoi? On va regarder pour ça, la mamie, ton film. Elle ne connaît pas. Non, c'est parce que je ne veux pas te frustrer. Et puis, je veux que grand-mère soit s'exprime. Et que Oui, je suis d'accord. Je donne mon accord, puisque c'est ma cuisine. Et à chaque fois, à chaque phrase, elle dit la cuisine de William. C'est très bien que c'est la cuisine de Laetitia. Non, si on suit le côté était tranchant, c'est que mon doigt au sol. Oui. Oui. Petite viande comme ça, William, il a déjà fait une heure de temps dessus. On va mettre son correcteur, ça m'a donné, on va couper. C'est que tu ne dois pas te blesser comment tu as une matière là qu'il faut prendre ça. Tu peux faire trop petit pour tout ça. Pourtant, les gars là voulaient couper son marché. Hein. J'ai dit qu'il faut qu'elle montre au soleil que je suis professionnel. Tu vas couper là aussi. Non, laisse ça comme ça. William. Ouais, maman. Viens, s'il te plaît. Mais tu sais pourquoi? Ouais, c'est pour, c'est lui rouge, non? Pour le coin de là. Lui, là, dort. Lui, dort, maman. Il y a le lit là-bas, dedans. Quand tu regardes là, ça, c'est lui pour piler le tarot. Quand l'huile est blanc comme ça, quand tu vois l'huile déjà blanc, c'est pour le tarot. Donc, l'huile pour préparer. Ah, quand t'as dit que lui dort, c'est comme si lui était couché, ça fait le ronfler. Donc c'est lui dort. Oh, c'est lui quand tu manges. Ah, comme le tarot. Oh. Comme ça pèse. Ah, la femme qui a vendu ça, elle m'a trompé. Elle t'a bien trompé. On fait comment alors? On va faire avec l'huile d'arachide, on va faire des choses. Magie a dû rouler là-bas, qu'on ne peut pas prendre de l'huile d'arachide. Que c'est l'huile qui font ça. Vrai. Non, qui t'a dit? C'est parce que... Elle n'est pas encore fournie ici, alors ça va être, elle va se moquer de moi. Bon. Dis-le que tu as décidé de faire le l'huile d'arachide parce que c'est moi qui t'ai demandé de le faire. Dis pas que j'ai demandé de lui. Pourquoi? Non, on a dit quoi? Papa. Hey. Hey, deux. Rosanne, c'est comment? Tu as le. Ok. Bon. Ok. Je continue. C'est comme ça. William a laissé. Ok, d'accord. Je veux la marmite. S'il te plaît. Cher soleil de William. C'est ça. Voilà. Laetitia. Le soleil de Laetitia. On t'a gâté. Bon. Je sais que c'est William qui m'a appelé ici. Voilà. Ah. Comment moi tu supportes comme ça là? Iche. Ma belle-mère, oui, là, j'étais à la voiture. Ouais, je suis là, comme le père est dépassé. Oh, William. Je continue ton travail, papa. Oui, maman, vas-y. Tu as toute ma bénédiction, ça allait passer Laetitia, elle a vu. Bon. Même toi, tu dois voir. Ok. Quand William a épluché le plantain. C'est moi qui ai épluché ça. C'est toi qui as épluché. Mm-hmm. Est-ce que le vendeur. Avec les, sous les ordres de William. Donc c'est moi qui ai épluché. Est-ce que le vendeur se peut pas avoir long comme ça? On peut. Oh, ça, tu dois donc comprendre que même tout ce que vous faites là-bas, c'est moi. Parce que c'est ma bénédiction. Ça va, non? À diviser ça en deux. Ok. Tu peux descendre la bassine. Maître, Willy. Oui, ma. C'est toujours pour tes soleils là que tu as coupé ça gros comme ça.
Maman, je ne sais pas où tu comment je vais manger, non? Mais d'accord. Est-ce que c'est moi qui vais manger avec toi? Le de William. Voilà. C'est comme si vous voulez savoir vous charmer avec. C'est le genre que quand tu pars au funérail, qu'on a chargé comme ça dans le plat. Comme quand il sort un morceau de viande, il dépose le planteur de côté. On dit souvent que quand un homme est béni de Dieu, voilà, alors ça a conspiré. Elle a fait des événements, elle a fait des messes pour que ma cuisine rate. Voilà ma cuisine qui se passe bien. Voilà ma cuisine, malgré qu'elle soit handicapée, ma cuisine se passe bien. Parce que quoi? Mes détracteurs ont été expulsés. Mon général à qui j'ai appris à faire la cuisine est sur le plateau. Il a appris à faire la cuisine. Parce que le soleil est en train de manger. Je ne peux pas bavarder dans ses oreilles. C'est vraiment ce que je viens d'entendre là. Maman aussi qui a accepté. Est-ce qu'il a mal parlé? William, tout ça c'est pour que tu ne pleures pas. Il dit que c'est lui qui t'a appris la cuisine. Tu dis oui. Il faut expliquer au soleil. À chaque fois que tu avances, tu expliques au soleil. N'écoute pas ce que les gens te racontent. Oh. Allons-y, maman. Voilà les soleils de Laetitia. De William. Tu parles encore ça, tu sors de ma cuisine. C'est William qui m'a appelé ici. C'est parce que... Le soleil de Laetitia, c'était... Maman m'a montré une façon de couper les planteurs. Genre, on coupe comme ça. On ne coupe pas entier parce que... Bon, c'est dépassé. De nos jours, on ne coupe pas plus entier. Non. De nos jours, on ne coupe pas plus entier parce que... Quand tu ne coupes pas entier, quand tu ne coupes pas le planteur entier... Tu sais à quelqu'un, la personne va se décourager. Tout à l'heure, quand tu coupes comme ça, demi-demi, il mange même ses croix plantées là ou quatre, il est rassasié. Et s'il va encore qu'on ajoute. Pour aller un peu. C'est ça. Mon maman, on fait encore quoi? Ok. Après, William, il vient faire les coups. Bon, on va mettre l'huile dans la manette pour faire frais un peu la viande. Moi, je. Vas-y. D'accord. Tu mets alors quelle quantité? Ok. Maman, il y a l'autre huile de friture là en bas. Tu as vu? Ah oui, ça va les amener. Mais mes soleils, on va mettre un peu d'huile dans la mamie parce que c'est les professionnels qui doivent mettre l'huile dans la mamie. Ça va! C'est bon. Ok, bon, on va dépose. Il y a l'huile de friture, c'est complètement là-bas. Il y a l'huile de friture. Ok. Il a déjà mis ses propres. Ça va. Non, mais puisqu'on va faire frire la viande. Ok, c'est bon. D'accord. Mon amour. On laisse l'huile chauffer bien. Elle a déjà lavé. Tu laves dans la routine. Bien même. Ça coûte 2, 3 fois. On va découper les oignons. Je parle le matin en le butant mon père. Non. On frit d'abord la viande. Parce qu'en mettant les oignons vont se brûler. Oui. Ça n'aurait pas de prix dans le soleil, on va d'abord faire frire la viande. Dans l'eau. Le soleil, je tiens à préciser que on ne met pas les oignons dans l'huile avant la viande. Parce que si on met les oignons dans l'huile avant la viande, les oignons vont brûler. Donc on met d'abord la viande dans l'huile. Je vous reviens. C'est ma cuisine. C'est la cuisine de Laetitia. Bon, on va tremper le piment dans l'eau comme c'est ça.
Oh, ça n'est pas que tu as cru bien apprendre. Hein. La seule chose qui a fait apprendre ici, en fait, c'est toi. Vous avez tellement bravadé qu'il a coupé son doigt. Qui? C'est Roxane. C'est Roxane. Elle fait sa souhaite 16 fesses. Elle prie. Elle fait les neuvaines. Et ouais. Ma cuisine rate. Ah, ma cuisine qui se passe bien. Parce que ce que maman fait là, c'est que c'est ce que moi j'allais faire exactement. J'ai envie de dire big doll, mais ça, la fin que je dis ça. Bon, je me laisse parler. Bon. Il faut trouver la gamme de temps en temps. Non, ça va, tout le monde. Tu vois, le gars là n'est pas dans la cuisine comme ça, là, ça respire, on la met si on est à l'aise. Ah bon, donc c'est votre soin. C'est ça. Quand il est là, le représentant, tu es dans le ticket, tu as l'avantage. Bon, qu'est-ce qu'on va concasser à la pierre? Il y a un rondelle. Il y a un rondelle. On concasse les rondelles, on concasse le jambon. Et le pépé. Aussi le pépé passe. Je concasse pendant que je concasse. Tu essaies de mettre le feu dans le mixeur. Ok. Ok, chou, il y a avec. Assistante inutile. Passe-moi le téléphone de mon assistante là-bas. Ok, va, merci. Le jour que je vais faire le tarot, on utilise. On y utilise.
Cher fan de, cher soleil de William et de l'Église, voilà. Je tiens à vous rappeler que le Ndiansan, pour que ça fasse vite dans le douceur, il faut concasser un peu à la pierre. En fait, on va s'en comprendre. Dans le bien sang, dans le bon, c'est ça qui donne un bon goût de poser la sauce. Tu comprends? Oui, boss. Voilà. C'est un congé, quand on fait sans bien sang, vous allez voir, même si la sauce pèse, le goût sera différent avec ce que le bien sang est passé là-dedans. Donc, un congé, quand on fait sans bien sang, n'a pas un goût. C'est ce que je fais avec le bien sang. Voilà, il ne pèse pas. Tu as compris? Oui, boss. Voilà. Ouais. Laetitia. Tu as compris? Le congé, quand on fait avec le bien sang, est meilleur. Il y a ceux qui font le condescendant sang. Qui me font que. Mais ce soleil de William, on doit aussi concasser le pépé. Les rondelles. Justement. Justement, ça fait. On vient tourner la viande. On concasse le pépé, les rondelles. Pour faciliter la tâche au bon du fer. On sent, et dès que le morceau est cuit, tu m'apprends que je goûte, c'est cuit. Ça va. Quand tu te rappelles la photo, si quand j'étais parti au mariage, passé des corps. J'étais chaud comme le pangolin. Ah, oh, tu étais belle comme le soleil. Oh. Ah, le mariage est passé des corps, le Madivar, c'était le plus beau mariage qu'il y a même. Il n'y a que mon mariage qui va dépasser pour eux là. Merde. Regardez comment Laetitia est mon nouveau de ruiné à ce mariage. J'ai encore les images là. Regardez. Donc, Laetitia et moi était au mariage de Passy de Corps. Le mariage le plus beau que je n'ai jamais vu. Il n'y a que mon mariage qui sera mené à ce mariage là.
On a cherché la viande, c'est le rêve. Voilà. Viens voir, je prends les clés. Donc, prends la viande et dorée comme ça là. C'est parce qu'on a fait frire. Ça va plus, non? Voilà. Parce que là, si tu ne fais pas frire, donc tu ne peux pas manger. Mais le temps que ça met aussi, ça va plus. Non, c'est un kilo, on peut l'ajouter. Il n'y a pas de sang, ça va pas. Tu peux goûter, mais le corps, c'est que tu n'as pas l'enfant du sang. Ah. Si tu peux manger, ça va pas. On ne goûte pas encore. La cuisine de William ce soir, c'est la pâte de Condré avec la chèvre. Ce n'est pas la chèvre. Je ne sais pas pourquoi, toi, non? Est-ce que c'est la chèvre, mais c'est l'antilope, non? Oh. Bon, de toutes les façons, non? Les jaloux, hein? En tout cas, ça va. De toutes les façons, la vidéo sera bientôt en ligne. J'ai préparé le Condré. Voilà ça qu'il prépare comme ça, vous voyez là. J'ai coupé mon doigt. Regardez. Hey! Ok, ça va. Soleil, je crois qu'on a fini de faire frire la viande dans l'eau. Donc, on va continuer avec les oignons. Les soleils de Mimi. Je vais mettre le plantain dans la marinade. Ah.
fait le congrès. On ne fait pas le plantain frit avec la viande. Tu fais maintenant frit le plantain comme ça, maintenant comment? Viens, quand on fait le congrès, quand on met les oignons dans la marmite, on met le plantain dans l'huile. Voilà. Quand on met le plantain dans l'huile, après on accompagne avec la viande dessus. Ah ouais, il y a plus de plantain. Non, comment? Et je vais faire tout le plantain pour frire. C'est quoi? Et bon, c'est pas le tuna. C'est quoi? Après avoir le plantain dans l'huile, on va mettre la viande au dessus. La cuisine de William, c'est la Pâque. Ouais. Oh. Après avoir mis la viande dans la marmite, on va bien se brûler. Elle a fui. Malgré mon doigt, je suis encore en cuisine. Et ouais, tu as abandonné. Oh là là. Oh, je suis beau. On va mettre du sel dans la marmite. Oh, la cuisine. On va bien voir la quantité de sel combien. Voilà ma cuisine. Elle a mis la quantité, c'est que je m'en ai qu'elle mette. Bon. Sans oublier d'accompagner avec les feuilles d'oignon. Et surtout, le thym. Tu as mis suffisamment de dans le mixeur, non? Oui, oui, t'inquiète. Si tu prépares le congrès sans thym, ça veut dire que tu n'as pas fait mon congrès. Ah, oui. Oh, ça, tu as compris? Oh, ça, tu as compris? Oui, boss! Voilà! Ça bouge déjà très bien. Donc, comme ça, baissé, on va compléter le reste du rendement. Thank you.
voulais juste une fois dire que ben, pourquoi on a laissé plus le plantain? Quand on vous dit que faire la cuisine, c'est un art. Mais soleil, vous voyez que malgré les obstacles, on a atteint mon objectif. Mon plat est prêt. Que quelqu'un va dire que c'est pas moi qui ai préparé. Oui. J'ai fait ce plat. Avec amour. Oui. Puisque c'est moi qui suis en train de me servir en premier. C'est moi qui vais arrêter le feu. Je peux dire que c'est moi qui ai fait cette cuisine. Tout le monde a vu comment tu as fui la cuisine après être tout. Voilà. C'est moi qui ai arrêté le feu. C'est moi qui ai arrêté le feu. Ben soleil. Voici mon plat de congrès. Voilà. Souhaitez-moi bon appétit. C'est bon, non? Voilà. C'est pas ton cœur de parole. C'est qui? C'est maman. Qui a commencé la cuisine et qui a terminé la cuisine et qui a coupé son doigt? Maman, il y a quelqu'un qui a coupé son doigt. Non, c'est ça, c'est la cuisine. Pourquoi tu es jalouse comme ça? Ça va. Trop bon. Trop fort.
Elle dormait, non? L'odeur de mon congrès l'a réveillée. Elle a fait comme beau gosse. Elle a entendu l'odeur. Oui. Elle s'est réveillée. Si c'était pas bon, elle n'est pas se réveiller. Elle a entendu l'odeur de mon congrès. Handicapé, mais je suis pas invalide. Roxane. Roxane. Même qu'elle est en train de dormir. Elle ne peut pas aller dormir, elle est aux toilettes. Elle va revenir. Le talent. Roxane. Moi, je suis invalide, mais je ne suis pas handicapé. Non, du coup.
quand elle pense que ça c'est la chèvre qui est sous les feux comme ça au début de ma vidéo, qu'elle mange, on dit que c'est pas moi qui me parle. Ce qui disait que le montant est tombé. La punition un peu. Regarde. Tu as rassasié. Et moi, après, les manger. Parce que la base, c'est le petit. Mmh.